Lors de son passage en Belgique, la princesse Anne de Bourbon des Deux Siciles, par ailleurs écrivaine française, est venue à Wavre chez son ami le couturier Bernard de Porter pour y dédicacer son quatrième roman. Entre eux, une profonde amitié s'est créée à Paris au fil du temps. Anne me soutient depuis 21 ans, 21 ans d'amitié. Je suis très honoré qu'elle vienne dédicacer son livre chez moi. Et puis surtout, elle est la première personne qui a cru en moi. Si je fais tout ce chemin pendant 21 ans, c'est Anne qui a déclenché le début de l'histoire il y a 21 ans, qui m'a permis d'avoir mon premier défilé à Paris et qui a toujours été fidèle depuis toujours. Je le connais depuis plus de 20 ans. Je travaillais à ce moment-là dans la mode. Et il m'a approché avec des croquis formidables. Et j'ai eu un coup de cœur pour lui. J'ai vraiment voulu l'aider. Et j'ai organisé son premier défilé à Paris. Et depuis, on ne se lâche plus. Et je trouve qu'il a un tel talent qu'il faut absolument qu'il réussisse, que ça se sache. Et je ferai n'importe quoi pour lui. Et c'est pour ça que j'ai décidé, cette fois-ci, de faire ma dédicace chez lui. Parce que ma dédicace, d'accord, mais c'est aussi pour faire connaître ce lieu qui est absolument magique. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir montrer qu'il n'y a pas que Bruxelles et pas que les capitales. En province, on a aussi des châteaux, des maisons, des manufactures et un patrimoine, un savoir-faire à mettre en avant. Au cœur de Wavre, dans une ancienne maison transmise de génération en génération, Bernard de Porter a installé ses ateliers de haute couture, mais aussi, il y a un petit peu plus de 2 ans, un patrimoine parisien exceptionnel, vieux de 300 ans, 8000 moules du XVIIIe siècle, permettant de diversifier sa création dans l'art de parure de fleurs pour la mode. On est revenu avec 16 tonnes et 8000 outils, dont les plus anciens sont de 1727, les plus récents 1890, et c'est 300 ans d'histoire de ce métier d'art. C'est vrai que c'était assez émouvant parce que ça a servi pour Marie-Antoinette, pour Joséphine, pour aussi toute l'histoire de la haute couture, de Wurtz, qui est le premier grand couturier de l'histoire, à Paul Poiret, à Chanel, à Balenciaga, donc c'est assez extraordinaire. C'est intimidant même pour moi de détenir ce patrimoine et surtout le transmettre et le pérenniser, le protéger, le faire classer. Ça, c'est les missions de l'avenir. Quand on voit son atelier en bas pour faire toutes ces fleurs, mais c'est inimaginable. On peut pas, il faut venir voir pour le croire. Il fait des visites régulièrement d'ailleurs. Alors, on parle des talents de Bernard de Porter, mais vous aussi, vous êtes talentueuse. Quand avez-vous fait vos premiers pas alors dans l'écriture ? Bon, j'ai d'abord toujours écrit parce que je suis assez émotive et lorsque j'ai quelque chose sur le cœur, je préfère l'écrire que de le dire. Mais j'ai travaillé longuement dans la mode avant et tout d'un coup, je me suis dit pourquoi ne pas écrire un premier roman. Je n'y croyais pas vraiment. Et j'ai décidé donc de faire ce premier roman il y a 11 ans, toujours basé autour de l'amour, parce que la vie sans amour n'a aucune importance, et toujours avec des faits de société qui me tiennent à cœur. Donc j'ai fait le racisme, j'ai fait le droit à mourir dans la dignité, j'ai fait l'injustice. Et là, cette fois-ci, c'est autour des secrets de famille. Faut-il les révéler ou pas ? Ça, c'est vraiment la question. Et c'est vrai qu'on se pose tous cette question. Autour de moi, j'ai des tas de secrets qu'on me raconte, je ne sais pas pourquoi à moi, et avec le doute, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas, etc. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le quatrième roman ? Je ne l'ai pas encore lu, mais bien sûr, je le lirai. J'ai lu ces anciens romans qui sont chaque fois différents, mais c'est vrai que souvent, ça relie toujours auprès des îles qu'elle est. Mais, et je trouve qu'elle a une plume assez... voilà, assez brillant dans le sens où c'est accessible en fait. Et on accroche tout de suite, ça devient presque des sagas de l'été. Ça pourrait vraiment être adapté en film. Intitulé « Et les vagues criaient Bathsheba », ce roman d'intrigue familiale est paru aux éditions Les Trois Colonnes.